Bonjour tout le monde, ici Deseco et aujourd'hui on se retrouve pour la partie numéro 2. Donc j'espère que vous avez bien aimé le petit montage de mon voyage en début de vidéo. Donc pourquoi je fais ceci, c'est pour moi aussi, c'est des petits souvenirs pour le reste de ma vie. Voilà, c'est un voyage que je vais peut-être faire une fois dans ma vie seulement, aller à Dubaï, je vais peut-être pas y retourner dans le futur, mais sûrement dans d'autres endroits. Voilà, donc deuxième partie, on va encore se prendre la 10 fées. On va se piger 4 boosters, puisque j'en ai déjà un ici que j'essaie de bien ouvrir pour mettre les... je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, pour mettre les cartes holographiques et ultra rares dedans, pour essayer de les protéger dans un booster. On va s'en prendre 4. Donc j'en ai 1, 2, 3 et un quatrième. Voilà, c'est vraiment au hasard. Peut-être qu'on peut avoir peut-être 2 eggs dans cette ouverture. Qui sait? Voilà. Alors, on commence par le booster numéro 1. J'espère aussi que vous avez bien apprécié la première vidéo, que ça puisse plaire au moins à plus d'un, ça va me faire super plaisir. Donc écrivez-moi dans les commentaires si vous avez bien aimé cette sorte de vidéos-là, qui sont aussi une ouverture plus des vidéos de mon voyage. Alors on commence par un, on va faire un petit focus, ça fonctionne pas trop bien. Bon, on va faire un ride on, un zigzag boom, je suis désolé de la luminosité. Voilà, on va essayer de faire mieux. Electrike et un no spass. Ah oui, il manque la carte ici. Et on a un... S'il te plaît, fais une petite lumière. Voilà, on a Minotaur. Donc, je suis vraiment désolé par la luminosité. C'est vraiment pitoyable. Surtout dans une chambre d'hôtel. Les lumières, il y en a quand même beaucoup, juste qu'ils sont pas puissantes. Allez, on continue. Nous avons... Allez, s'il te plaît. Solrock, Vibranymph, Rototope et une Luxury Ball, si je me trompe point. Et on a un... Ah, cool, je n'avais pas cette carte-là, si je me trompe pas. On a un Sceptile holographique, qui est aussi une carte de très ancien. Donc, un nouveau style de carte, qui sont très utiles pour ceux qui jouent aux jeux cartes. Moi, je ne fais que collectionner, voilà. Continuons. Je ne veux pas que les vidéos soient trop longues non plus, puisque j'essaie de garder le plus d'espace dans mon iPhone pour filmer d'autres trucs durant mon voyage. Voilà, un Trapinch, un Bunnelby, un Torchic et un Minotaur encore. Et nous avons... Ah, première X. Allez, s'il te plaît, un petit... Voilà, donc on a un Calyking EX. Ah, je suis vraiment désolé de la lumière. Ah, j'essaie de le tout du... Bon, attends, on va faire quelque chose. Voilà. Ah, voilà, ça fonctionne. Un petit peu plus de lumière ici, en hauteur. Donc, on a cette carte-ci, qui est Galeking EX. C'est pas la méga, non. C'est le Galeking, c'est la grand normale. On est tenté d'en avoir un autre, qui sait. Mais pas la même carte, là, mais une autre carte EX, c'est sûr que je veux dire. Electrike. Meditit. Nidorina et un Tangela. Et on a un Lesser Jumelle. Non, c'est peut-être pas Jumelle, c'est la carte ça s'appelle. Ouais, c'est quelque chose de Jumelle. Je sais plus c'est quoi le nom exact de la carte. Et dernier booster. Une IX, s'il vous plaît. Ça ferait pas de mal. Pour ceux qui ont déjà ouvert la série, c'est quel est votre ex préféré ou votre full art ou votre carte préférée? Dites-le dans les commentaires si vous voulez. Et donc, dernier booster. Voilà. Shroomish, Torchic. Lui, c'est le Tangela. L'autre, c'est Boule de Nœud en français. Et on a un méga Galeking Spirit Link. Et dernière carte, c'est. Ah, une holographique. Donc, c'est Flygon. Donc, petit récap. Je vais faire ça très vite. C'était une meilleure ouverture que la première, en tout cas, de mon point de vue. Tiens, on va juste faire ça comme ça, et comme ça. Voilà, juste monter un petit peu pour vous montrer un peu mieux. Donc, on a eu lui ici, Rototope. Je vais pas trop les abîmer, donc je vais les descendre un à un. On a Sceptile. Après, on a un Flygon, qui est la luminosité un peu mieux quand on est en haut, puisque la lumière est juste... Voilà, en haut ici. Et dernière carte qu'on a eu, c'est un Galeking
EX. Donc ça, c'est fait pour la partie numéro 2. Juste redescendre le trépied. Donc, en espérant que vous avez bien apprécié la vidéo, merci encore d'avoir écouté et que je vous fasse partager un peu mon voyage à Dubaï. Alors ici DJ Co, et je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao!